Mais qu'est-ce qui fait que le café, c'est pas possible? Il l'a pas encore apporté. Mais non. Florian, le café, c'est qui la Sardichaud là-haut? Allez, un peu. Tu sais qui Florian, je suis? Tu me ramasseras ce journal, merci. Et plus vite que ça. Merci beaucoup. On est en direct? On est en direct. Flo, Flo, chérie, chaton. Mon petit chat. Merci Florian, je l'adore. Moi aussi je l'adore. Ouais. Tu sais, on travaille en équipe et ça c'est important. Ouais, surtout avec lui, c'est beau. Ça sonne. On va ouvrir. C'est peut-être le livreur de raclette. Va savoir. Oh, mesdames et messieurs, ne croyez pas ce que vous voyez, car oui, Benjamin Muller et moi-même sommes de personnes gentilles en fait. En revanche, on adore le théâtre. Bienvenue en direct sur France 5, on est ravis de vous accueillir. Ça, ce sont mes invités, bonjour. Entrez, regardez, il y a plein d'enfants, plein de bébés. Mettez-vous là, au chaud. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, c'est Céleste. Bonjour, ma poupée. Oh. Elle est avec son doudou, c'est pas par hasard. Le doudou sera à l'honneur dans cette émission aujourd'hui. Je vais vous présenter le reste de la bande si vous ne les connaissez pas. Ah, bah, il y a Benjamin Muller d'ailleurs. Ça va bien, Benjamin? Il faut quand même que je précise d'abord que vous êtes devant ma caméra. Ouais. Et puis ensuite, préciser que vous êtes un vrai gentil dans la vie. Hein. C'est vrai. Voilà. En revanche, très créatif, puisqu'il imagine des scénettes chaque matin. Ah ouais, non, parce que là, c'est... ce que vous voyez, on peut le dire à nos téléspectateurs, on met des heures à le travailler. Des heures. Hein. Oui, c'est depuis 24 heures, on est non-stop. Il est plein de trucs. Non, 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 non. Imaginez que je pouvais le porter. Ah, il perd jamais l'occasion de travailler ses cartes et ses abdos. C'est Benjamin. Et Afida aussi, des fois, elle me rééduque. Mais c'est... Ouais, bon. C'est ça. Allez, Cyril Hanouna là-bas. On va y rééduquer le périnée? Non, pas du tout aujourd'hui, non. C'est la chambre de bébé. Ben oui, c'est la chambre de bébé. C'est vrai qu'on se pose souvent la question en tant que maman, même papa, hein, comment avant et après préparer la chambre de bébé. Donc, Il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses interdites. On va pas tout dire tout de suite. Non, on dit rien. Afida Ansel, qui est la sage-femme de la maison des maternelles, une vraie sage-femme en chair et en os chaque matin à qui vous pouvez poser des questions. Karim Gosseau aussi en chair et en os, un vrai spécialiste des arts martiaux, enfin maître, grand maître arts martiaux et puis surtout le coach de la maison des maternelles. Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui les abdominaux, dont en chair et en muscle en fait. Oui c'est ça. Les abdominaux après la grossesse, après l'accouchement. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire, les bons exercices à faire, doux, sécurisants et... tranquilles, qui ne vont pas faire mettre de pression sur le périnée. Il y a intérêt. Hein. On va... Elle vous surveille. On va continuer les abdominaux hypopressifs qu'on a commencé la dernière fois enceinte. Aujourd'hui, ce sera après la venue de bébé. Et Marie Perarnaud. Marie Perarnaud qui télétravaille aujourd'hui, car oui, c'est une femme moderne. Ça va, Marie? Oui, super bien. Et vous? Les enfants sont à l'école? Yes. Personne n'est malade, tout va bien, les quatre sont OK, quoi. Ouais. Ça va. Il n'y a pas de tout. Non. Bon. Comment on fait pour vous joindre, Marie? Alors, on peut m'envoyer un message, enfin, on commente sous le post Facebook du jour sur la page de la Maison des Maternelles. On envoie un SMS au 41555 ou avec le fameux hashtag LMDM sur Twitter. Rendez-vous aussi sur la page Facebook de la Maison des Maternelles car nous avons lancé un petit concours de sapin qui ne devrait pas vous déplaire, Agathe. J'adore les concours de sapin, c'est ma réputation. Oui. On parlera doudou tout à l'heure avec nos invités. À quoi ça sert? Est-ce que c'est bien d'en avoir un pour nos petits? On répond à toutes ces questions dans un instant. En attendant, s'informe avec Benjamin Muller. Faites-moi place, s'il vous plaît. Oui, car je suis la star du show. Ah, Benjamin, le théâtre, le théâtre. Vous avez un doudou, vous? Non, moi, moi, je suis pas doudou. A priori, je parle pas de mes enfants. D'accord. Non, un doudou. Quel est le sommaire de ce journal? Au sommaire, on va recevoir une invitée qui est à la fois, écoutez bien, une bourgeoise, une racaille, une prof de SVT un peu vieillissante, une petite fille et une gourou de l'allaitement, l'humoriste Antonia de Rendinger. Et avec nous dans 3 minutes. Voilà, on l'adore déjà. Ouais. On ouvre ce journal d'abord en parlant politique, Benjamin. Écoutez, on a eu une idée dans la Maison des Maternelles, c'est de suivre nous aussi la campagne des élections présidentielles qui arrivent, mais bien sûr avec notre prisme à nous et en se focalisant en particulier sur un sujet, la misogynie, le sexisme des candidats au poste suprême en traquant toutes leurs petites phrases qui, quelque chose me dit, devraient être nombreuses pendant cette campagne. Alors, chapitre 1, vous êtes prêts? Ah oui. Arnaud Montebourg. D'intéresser les Français à ce débat et de les convaincre. Je défends. Si vous me le permettez, vous êtes trois, je suis seul, laissez-moi une chance. Quatre, pardon, puisque madame présente. Elle est tout à fait là. Pourquoi seriez-vous d'ailleurs accepté? Mais pourquoi? Pas du tout. En effet.
Comment il a sorti les rames, ça m'amuse. Je vais faire pareil avec vous. Oh, je suis content d'être tout seul à cette table. On n'est pas bien, c'était hier sur France Info. Alors on compte sur vous, si vous voyez ce genre de petites pépites et que nous on les rate, vous nous les envoyez, on les passe. Oui, c'est ça, on aime bien. Je suis perdue. Le pic de pollution, c'est ça qui frappe actuellement la France. Et cette question, comment préserver nos enfants? Vous savez qu'à Villeurbanne, à Lyon, en région parisienne et à Paris, on vit actuellement le plus long et le plus intense pic de pollution hivernale depuis 10 ans. Ce pic est dû à une recrudescence d'émissions de particules fines liées à plusieurs choses. Déjà au chauffage au bois, et oui, il fait froid, donc les gens utilisent leur cheminée, ce qui est assez logique, au trafic, qui est important, et surtout à la prolongation des conditions anticycloniques, favorisant l'accumulation des polluants. Alors une fois qu'on sait ça, comment on protège nos enfants? Alors voilà les conseils des pédiatres qui sont plein de bon sens. 1. Évitez les balades en poussette, surtout si vous avez des tout-petits. On évite d'emmener ses enfants au sport et on réduit au maximum les facteurs irritants et polluants à domicile comme l'encens, les aérosols, les assainissants d'air ou bien sûr le tabac, tout ça à l'intérieur. On évite et bien sûr on aère chez soi. Si possible, vous allez jeter un œil au site d'Air Parif, l'adresse va s'afficher en bas de votre écran, pour voir à quel moment de la journée c'est le plus efficace d'aérer. Oui, on évite les heures de pointe, j'imagine. Alors ça, c'est les conseils de bon sens. Pour être très précis, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas sortir les enfants? Alors on a joint le pneumopédiatre Bertrand Delezy. À cette question, il répond, c'est très précis. Si votre enfant a des symptômes, s'il est asthmatique, c'est-à-dire qu'il est sensible aux particules fines qui vont venir se loger dans ses petites bronches, s'il est sensible aux bronchiolites chroniques, etc. Dans ces cas, vous limitez les temps d'exposition. Bref, vous évitez les sorties. Et si vraiment vous devez sortir, vous privilégiez la mi-journée et surtout pas le matin et surtout pas la fin d'après-midi. Si votre enfant n'a pas de symptômes particuliers, alors on se détend, on se rassure, on se déstresse, tout va bien, on peut continuer à vivre normalement, sortir, aller jouer dehors, et bien sûr, en gardant en tête qu'en milieu de journée, ça reste l'idéal, et aller dans un parc, même en plein centre-ville, même en pleine, dans les grandes villes comme à Paris ou à Lyon, c'est mieux, les parcs, ce n'est pas une vue de l'esprit que l'air y est plus pur, même donc en centre-ville. Comment les parents font-ils pour faire garder leurs enfants avant 3 ans? Question ultra concernante sur laquelle se penche chaque année l'Observatoire national de la petite enfance. Oui, c'est utile pour connaître l'évolution, par exemple, du nombre de places en crèche, des congés parentaux ou des gardes partagées. Alors, dans l'Observatoire, il y a 3 informations particulièrement intéressantes. Déjà, sur les places en crèche, en moyenne, aujourd'hui, en France, il n'y a que 17 places en crèche pour 100 enfants, ce qui est très peu. On estime qu'il manque entre 300 000 et 500 000 places dans notre pays. Deuxième enseignement, si on prend toutes les offres de garde possibles, les crèches, les assistantes maternelles, la scolarisation dès 2 ans, on voit que la tendance est plutôt bonne. Si on regarde depuis 2010, la capacité théorique pour 100 enfants est passée de 50 en 2010 à 56 en 2014, ce qui est mieux, ce qui est bien, mais pas top. Et troisième info, les congés parentaux. La chiffre en baisse sur un an baisse de 8% des congés parentaux, ce qui n'est pas négligeable. La raison économique, bien sûr, ça coûte de l'argent, est une raison importante. Vous, les femmes, vous, le charme, vous en parliez tout à l'heure, Benjamin. Et bien justement, on va recevoir maintenant une femme qui a elle seule réussi l'exploit de représenter un panel très, très large de femmes françaises. Je le disais, elle sait être bourgeoise, racaille, prof de SVT, petite fille, gourou de l'allaitement. Elle peut être tout à la fois. Retenez bien son nom. Vous allez en entendre parler. Antonia de Rendinger est notre invitée. Et on est ravis de l'accueillir. Oui, bonjour Antonia. Bonjour Benjamin. Bonjour Antonia. Votre spectacle s'appelle Moi je jusqu'au 31 décembre, c'est au théâtre Les Feux de la Rampe à Paris et vous serez en tournée dans la foulée un peu partout. De tous les personnages que j'ai dit, lequel est votre préféré, celui qui vous inspire le plus? Je sais pas, tiens, je crois que j'aime bien ma prof de SVT parce que je pense qu'elle me rappelle des profs de SVT qu'on a tous eu qui peuvent être un peu trash comme ça. Notamment sur les cours d'éducation sexuelle. C'est ça, voilà. Je pense que les parents qui viennent avec des enfants au spectacle sont ravis. Il y a une explication de texte à faire ensuite qui est assez intéressante. C'est vrai que vous posez cette question sérieuse quand même, des profs de SVT un peu vieillissants. C'est vrai qu'il y en a qui, bon, doivent adapter leur vocabulaire aux gamins pour leur expliquer comment papa et maman ont fait leur enfant. C'est pas forcément simple. Oui, c'est ça. Puis je pense en fait, c'est plus une approche du corps, je pense qu'aujourd'hui. Voilà, moi je parle beaucoup de trucs très très organiques dans le spectacle. Je pense que justement le fait d'être maman, c'est quelque chose qui a vachement libéré ma parole par rapport au corps. Je pense qu'avant, on a cette image un petit peu de la femme un peu lisse comme ça, etc. Alors, donnez-nous un exemple, on peut y aller. Dans cette émission, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de tabou. Dans le spectacle, on parle beaucoup des règles, on parle de l'utérus, on parle de trucs comme ça. Et voilà, ma prof de SVT, elle n'hésite pas à un moment à avoir une petite tirade très, très féministe en disant « Mais mesdemoiselles, nous sommes au 21e siècle, il est temps de prendre vos parties génitales en main, et qu'il y ait la vulve joyeuse, le clitoris arrogant et la lèvre haute voilà. !»
lèvre haute, ça c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Pour en faire un petit peu. Clitoris arrogant, c'est tout vous. Ouais. Agathe. Non, on est bien, on est bien. Alors, vous jouez une gourou de l'allaitement qui explique avoir les seins qui tombent jusqu'au sol depuis qu'elle allaite son enfant qui a 12 ans, encore aujourd'hui. 14 ans. C'est un moyen d'énoncer la pression mise sur les mamans. Est-ce que c'est un moyen, un message vraiment, la pression mise sur les mamans pour allaiter le plus tard possible? Oui, en fait, en plus, c'est un truc dont je parle de façon d'autant plus décomplexée que moi, j'ai allaité mes deux enfants plus de 2 ans chacune. Et que donc, je sais effectivement que les seins tombent au niveau de la taille à un certain moment. Oui, mais vous avez de la chance, la taille. Voilà. Non, mais comme je l'ai dit dans le spectacle, avant, je ne me plains pas parce qu'avant, c'était au niveau de la cheville. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça remonte. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai, moi, je dénonce un peu cette espèce de diktat de l'allaitement obligatoire parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent beaucoup de ne pas allaiter leurs enfants. Et je montre qu'on peut tomber aussi dans l'excès inverse, de se retrouver dans une société qui peut devenir quasiment tyrannique, de la mère parfaite, etc. C'est mal vu si on n'allaite pas ou si on s'arrête au bout d'un mois, un mois et demi. Voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, il faut quand même continuer un peu plus qu'un mois et demi. Je crois que 6 mois, c'est ce qui est préconisé, ouais. Voilà. C'est ce qui est préconisé, mais celles qui ne veulent pas ne peuvent pas. Eh ben, on les juge pas pour autant. Ce sont des mauvaises mères, mais absolument. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave d'être une mauvaise mère. Alors, vous parlez aussi du cododo. Nous, on adore le cododo, dormir avec ses enfants. Oui, tout c'est ça, c'est super. Vous dites que c'est particulièrement bien, comme ça, l'enfant peut ramper jusqu'à votre sein. C'est ça, c'est ça. Vous allaitez pendant comme ça, l'enfant, il rampe comme ça, il se guide à l'odorat, et puis il peut attraper comme ça les tétons de maman. Parfois, il se trompe, hein, il attrape les tétons de papa. Hein, voilà. Alors, quel genre de conteuse d'histoire êtes-vous? Vous parlez de Barbe Bleue, que vous revisitez un petit peu? Oui, c'est ça. Alors, c'est pour de vrai. En plus, je pense que je m'inspire quand même pas mal beaucoup de choses que j'ai vécues personnellement. Dans ma chambre d'enfant, chez mes grands-parents, il y avait une gravure de Gustave Doré qui représentait Barbe Bleue en train de remettre les clés du domaine à sa très très jeune femme. Et je trouvais que c'était vraiment une gravure épouvantable à mettre dans une chambre d'enfant. Et puis voilà, un peu en impro, comme ça, un jour je suis partie sur l'histoire de Barbe Bleue racontée aux enfants et on se rend compte que cette histoire est absolument épouvantable. C'est quand même une histoire de plus ou moins... De serial killer, quoi. De serial killer. Et puis les femmes sont vraiment très très jeunes. Hein. Elles ont, on imagine, dans les 14 ans à peu près. Donc c'est quand même un violeur de très jeunes filles. Donc c'est une histoire épouvantable. Et c'est vrai que souvent les histoires sont gore pour les enfants. Oui, mais celle-là particulièrement. Ouais, ouais, non, là, comme je le dis au début du sketch, c'est très curieux que Walt Disney n'ait jamais songé à adapter Barbe Bleue. Comme c'est étrange. Voilà. Alors, vous jouez une petite fille qui est merveilleuse. Au début du spectacle, elle est sous sa couette. Elle se demande ce qu'elle fera plus tard. Et elle, en gros, elle aimerait être artiste. C'était vous, petite? C'est ça. Elle aimerait devenir moi. Quel beau métier. Vous, petite, vous rêviez de devenir artiste? Oui, je crois que j'avais très, très fort cette envie d'être sous les projecteurs, d'être dans la lumière. J'avais le sentiment comme ça que... voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer, voilà, quand on a envie d'être comédien, voilà, de jouer à un fou, enfin, il y a un côté narcissique qui est quand même très très important. Donc moi j'avais cette envie-là, et puis j'ai l'impression que cette envie-là, elle a un peu été passée à la moulinette, au rouleau compresseur, par l'éducation nationale, la confrontation aux autres enfants, où on se dit, bah ouais, mais tout le monde, il a envie d'être chanteuse, toutes les filles, elles ont envie d'être mannequin, toutes les filles, elles ont envie d'être actrice et tout ça. Donc c'est un peu passé à l'as, et puis voilà, j'avais l'âge de 18 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une envie qui était vraiment chevillée au corps et que j'avais envie d'aller plus loin. Et du coup, voilà. Et cette petite fille que j'incarne, qui exprime les rêves que j'avais quand j'étais petite, c'est un petit peu celle que je suis devenue aujourd'hui. Voilà, je dis souvent, le spectacle s'appelle « Moi-je ». Voilà, je joue comme les enfants jouent. Voilà, et je peux dire que aujourd'hui, je fais le même métier que mes enfants. Une autre qui aurait rêvé être artiste et heureusement n'a pas réussi, c'est Marie Perarnaud qui a des questions pour vous via sa webcam. Marie Perarnaud, est-ce que vous êtes avec nous? Elle est avec nous ou non? Je pense qu'elle ça y est, elle est avec nous. Je disais que la distance n'empêchait pas Benjamin Muller d'être caustique. Oui, et encore, c'est un euphémisme. Vous n'avez pas entendu qu'il m'a traité de clitoris agressif, c'est arrogante, ça? Arrogante. Arrogant. Un clitoris arrogant, voilà ce à quoi je suis réduite, oui, Marie Perarnaud, ce matin. Marie, est-ce qu'on a des questions pour Antonia? Des réactions, oui, tout ça. On a une petite question, Fanny, qui nous demande, elle dit que vous avez fait pas mal de théâtre d'impro. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous aide dans vos spectacles aujourd'hui? Et est-ce que vous le conseilleriez à un enfant qui veut débuter le théâtre? Moi, je trouve que l'impro, c'est une très, très, très bonne école. Donc oui, je conseille. Parce que c'est une école qui apprend à ne pas avoir peur du ridicule. Parce que c'est vrai que c'est un métier dans lequel, comme on se regarde beaucoup, c'est compliqué d'avoir un regard critique sur soi. Donc moi, je continue à... La confiance en soi, ce dont on parle. La confiance en soi, l'écoute des autres aussi. Parce que c'est un terrain de jeu dans lequel, finalement, comme le texte est écrit sur l'instant, si on monopolise le crachoir, on ne se fait pas apprécier de ses petits camarades de jeu. Donc je trouve que
c'est vraiment une belle école de l'écoute, de l'attention, de la créativité. La timidité aussi. La timidité, oui. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de timides qui font de l'impro. Mmh. Énormément. Beaucoup d'ailleurs d'acteurs timides. Marie, une autre question ? Oui, on a notre petite question habituelle. Quel est votre rituel du coucher, Antonia ? En ce moment, le rituel du coucher, c'est un chapitre d'Harry Potter. Voilà, un chapitre d'Harry Potter chaque soir, avec Victoria dans mes bras. Victoria, c'est ma petite, la plus petite. Quel âge elles ont, oui. 8 ans et 10 ans. Et donc, comme Céleste a déjà lu les 8 volumes d'Harry Potter en quelques mois, parce que c'est un rat de bibliothèque, elle écoute d'une oreille et je lis à Victoria. Voilà, bon, c'est un peu ça. On va s'inspirer. Merci beaucoup, Marie. À tout à l'heure, Marie. Au revoir, Marie. Bisous. Au revoir, et bonne chance, Marie. Antonia, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes un rayon de soleil. Un plaisir. Tous allez la voir sur scène. Votre spectacle qui s'appelle Moi Je, donc jusqu'au 31 décembre à Paris et après en tournée. Après en tournée internationale à travers. Bien sûr, vous serez à Chicago. On donnera les dates, bien sûr. Merci. Alors, on va revenir maintenant sur cette incroyable prof. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Antonia, qui donne comme sujet de devoir à ses élèves l'analyse du DAB. C'est une prof de maths, hein. Le fameux DAB de Paul Pogba. Si vous ne savez pas ce qu'est un DAB, je vous le rappelle. Florian, tu nous montres ce qu'est un DAB, s'il te plaît. DAB, attention, DAB. Merci Florian. Merci, bisous. On en avait parlé ici même il y a quelques jours. Claire Manchon, cette prof de maths d'Aubervilliers, qui pour faire bosser pique un corps à ses élèves, les a fait plancher sur ça, donc le DAB de Paul Pogba. C'est ça. Qui est cette prof, Claire Manchon, que beaucoup d'ados adoreraient avoir? Et surtout au final, quel est le résultat? Ce DAB respecte-t-il effectivement le théorème de Pythagore? Mathieu Abasque a rencontré cette prof magique. Cristiano Ronaldo est jaloux du DAB de Paul Pogba. Il essaye alors de démontrer qu'il n'est pas parfait. Un DAB est parfait si et seulement si les triangles représentés sur la figure ci-dessous sont rectangles. Le DAB de Paul Pogba est-il parfait ? En proposant cet exercice sur la fameuse célébration du footballeur Paul Pogba à ses élèves de 4e, Claire n'imaginait pas créer un tel engouement. Du coup, le tweet a été retweeté environ 11 000 fois. Et moi, je suis passée de 400 abonnés à 2296. Je m'y attendais pas du tout. Moi, j'ai partagé ça comme ça pour rigoler sur Twitter. Et là, ça a pris une ampleur incroyable. Et puis là, il y a des journalistes qui ont commencé à me contacter par message privé pour parler de ça. Et j'ai pas trop compris. Un succès médiatique, mais pas géométrique, comme l'explique Claire en corrigeant ce problème. Et donc, le triangle FGH n'est pas rectangle. Du coup, comme il y a un des deux triangles qui n'est pas rectangle, le DAB de Paul Pogba n'est pas parfait. Une solution qui n'a pas manqué de faire réagir ses élèves. Mais comme ils sont sympas aussi, ils lui donnent des conseils pour l'améliorer. Par exemple celui-là, lève un peu plus le bras, Paul. L'idole des enfants et principal intéressé, Paul Pogba, a lui-même réagi sur Twitter. Du coup, je l'ai invité à venir dans mon collège, mais bon, il n'a pas répondu encore. Je le fais bien ou pas ? Non, c'est nul, parce que comme j'ai 81 ans, je suis pas encore... Il faut mettre la tête dans le creux du coude. Dans le creux du coude, le nez. Ah. Ouais, bon, bref, là, ça ressemble plus à grand-chose. Alors, bonne nouvelle, ces élèves ont eu plutôt des bonnes notes. Hein. La moyenne se situe entre 11 et 12 sur 20, ce qui est pas mal. Et quitte à parler du DAB, ça nous passionne. Alors, ça n'a pas grand rapport avec notre émission. Parlons de la daube. On voulait vous montrer ce DAB-là, qui montre qu'il n'y a pas d'âge pour réussir un bon DAB. Regardez, attention, en maison de retraite. Allez, DAB, paf. Voilà. J'espère que ça plaira à Paul Pogba. Je disais que j'avais 81 ans, mais apparemment j'en ai 112 parce qu'eux, ils n'y arrivaient pas, moi. C'est mieux que vous. Non. Non, si, c'est pas mal. Allez, je vais le travailler avec Florian. On va aller à Versailles maintenant, en banlieue parisienne, à l'école maternelle des Lutins, puisque vous savez que depuis le début de la semaine, on se connecte avec cette école. Une fois n'est pas coutume, on fait des maternités, on essaye d'explorer aussi des crèches. Et là, oulala, je vais parler un petit peu plus doucement, parce que Karine est en train de donner un cours de relaxation. Bonjour Karine. Bonjour Agathe. Vous êtes enseignante à l'école des Lutins depuis 6 ans, c'est bien ça? Et donc là, vous faites une séance Absolument. De relaxation et de méditation à vos élèves en moyenne section. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien écoutez, ça se passe plutôt bien. On se prépare effectivement à méditer, à faire une petite séance de méditation. Donc on fait quelques préparations, une petite préparation en respirant d'abord. On apprend à respirer avec son ventre, on fait des respirations complètes, on oxygène tout son corps et on détend par là même donc tout le corps. Et on apprend à focaliser son attention sur sa respiration pour être bien prêt ensuite à méditer. Alors c'est quoi l'intérêt pour les petits ? Et la méditation, elle ? Alors l'intérêt pour les petits, c'est vraiment d'apprendre à focaliser son attention. À un moment donné, à rattraper ses pensées lorsqu'elles vagabondent, lorsqu'on pense à autre chose.
et à pouvoir avoir un point d'ancrage qui est la respiration. Alors Karine, et à plus long terme, oui. Ça... Oui. Non, 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 je vous en prie, terminez, pardon. Je vous ai... Et à plus long terme, en fait, ce qui est visé, l'objectif réellement visé, c'est de pouvoir apprendre à ressentir des choses dans son corps pour pouvoir identifier des émotions, vraiment les ressentir et les appréhender, mieux les gérer ensuite lorsqu'une émotion négative monte. Alors Karine, on va quand même vous laisser donner votre cours, qu'on puisse voir un peu comment ça se passe, et puis on se quittera sur la pointe des pieds. D'accord. Allez, on y va. On inspire par le nez en gonflant son ventre. On bloque. 1, 2. On expire par la bouche. Longtemps, on bloque. 1, 2. Karine, on vous quitte sur la pointe des pieds, on embrasse tous les enfants, on vous fait un gros bisou à vous aussi pour le coup, et puis on se reconnecte avec les lutins tout à l'heure. Au revoir, bonne séance. Doudou, Nanin, Zouzou, non je suis pas devenue folle, hein. Ce sont évidemment les noms que donnent nos enfants aux petits doudous qu'ils ont, on va parler de ça, on parle de ça parce qu'on vit aussi nos parents avec eux, c'est tout de suite avec nos invités d'en partager. Le fameux doudou ou l'objet transitionnel, comme l'a défini le psychanalyste Donald Winnicott, c'est certainement l'objet auquel nos petits tiennent le plus, évidemment. Comment le choisissent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils y sont tellement attachés? Est-ce qu'il faut leur en donner un? Absolument, grande question. Pour nous en parler, nous sommes en compagnie d'un papa et d'une maman. D'abord le papa, Sébastien, bonjour. Alors Sébastien, vous êtes le papa de Céleste qui a 4 ans. Qui est là. Augustin qui a 21 mois et Calixte qui a 5 mois. Céleste, elle quitte pas son doudou d'ailleurs. Est-ce qu'il est avec elle? Alors, je dis ça évidemment rien que pour me contredire, elle l'a pas là. Oui, c'est son esprit de contradiction. Oui, il est venu avec elle. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, on va en parler dans un instant, c'est que vous êtes aussi fan de peluches et vous avez le vôtre qui est ici. Tout à fait. Voilà, vous allez nous le présenter dans un instant parce qu'il est très très mignon. À vos côtés, il y a Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la maman de Clara qui a 13 ans, Lisa qui a 11 ans, Eva qui a 7 ans et Célia qui est ici et qui a 2 ans. Alors vos filles sont collées à leur doudou. Vous avez même créé un site d'entraide pour que les parents remplacent leur doudou perdu. Exactement. Merci à vous, Sandrine. Et pour nous aider à répondre à toutes ces questions, on reçoit ce matin Eve Purovitch. Bonjour Eve. Bonjour. Merci de revenir dans la maison des maternelles. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Alors vous, Sandrine, vos 4 filles ont un doudou. Comment ça a commencé? En fait, ça a commencé avec ma fille aînée, Clara. On lui a offert un doudou à l'âge de 2-3 mois. Et au bout d'un mois, on a vu qu'elle ne pouvait plus s'en défaire. Quand on lui mettait dans son lit, ça l'apaisait. Donc on a dit, il faut qu'on trouve un double au cas où. Oui, très bon réflexe. Surtout. Mais le problème, c'est qu'on nous avait offert une ancienne collection. Ah là là. Alors, voilà. On va parler des doudous perdus dans un instant, parce que ça, c'est quand même un gros sujet. Et d'ailleurs, vous nous aidez, nous parents, à trouver les solutions. J'essaye. Alors les sœurs ont suivi après? Oui, alors Lisa, elle a choisi son doudou beaucoup plus tard, vers l'âge de 18 mois, parmi mes doudous à moi. Et autrement, après Eva, oui, elle a choisi son doudou tout de suite. Et Célia aussi, au bout de 2-3 mois, elle avait son doudou. Et vous dites vos doudous à vous, parce que vous-même, vous avez des doudous? Non, en fait, mes doudous que j'avais pour l'entraide, pour la création. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc vous vivez au milieu des doudous, quoi, chez vous? Totalement. C'est une usine à doudous. Ah, c'est là, on ne peut pas faire plus, je pense. Si, à part les grandes marques, mais autrement, oui, il y a beaucoup de doudous à la maison. Et alors, le fait que vous ayez quand même 4 filles, ça veut dire que c'est une vraie gestion quand même, pour ne pas les perdre, pour être sûr qu'elles les prennent quand on part en vacances. C'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué, mais on essaye déjà d'en avoir plusieurs pour pallier à ça, quand elles veulent bien les prendre. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Autrement, surtout quand on va faire les courses, elles sont le stress permanent. Mais oui, on essaye d'être toujours organisé pour qu'elles les aient avec elles. Autrement, c'est le drame. Céleste est partie voir sa maman, Sébastien, c'est ça? Elle cherche, oui. Elle cherche, ok. Alors, vous aussi, les enfants ont des doudous. Enfin, vous avez donc 2 enfants, c'est ça? Trois enfants, pardon. Je m'y perds. Hein. Et donc, ils ont chacun un doudou? Alors, le petit dernier, Calix, n'a pas encore de doudou, mais effectivement, Céleste a un doudou et Augustin aussi.
Alors bon. Céleste, voilà, elle l'a depuis qu'elle est en âge d'attraper quelque chose. Comment ça s'est passé? C'est vous qui lui avez offert? C'est vous qui l'avez présenté? C'est vraiment elle qui l'a choisi. C'est-à-dire que, bon, comme on disait tout à l'heure, mon épouse et moi-même, on est assez fans de peluches. On avait l'habitude de les collectionner même avant de se rencontrer. Et on a beau essayer de lui présenter plusieurs peluches, dont une qui ressemble à celle qui nous accompagne partout. Elle a décidé d'en prendre une autre qui traînait sur le canapé et qu'elle n'a jamais quittée. Bon, alors justement... Elle nous a piqué une peluche, quoi. Oui, c'est ça. La perte du doudou. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Sandrine. Donc vous aviez acheté un doudou d'une ancienne collection, Drame. Comment ça s'est passé, du coup? Bah, du coup, on a fait beaucoup les sites internet, les magasins, pour essayer de trouver le doudou, mais impossible de le trouver. Mmh. Et en fait, c'est mon mari, dans une petite boutique, qui a réussi à enfin trouver un deuxième. Mais le problème, c'est qu'après, elle se trimbalait avec les deux. Aïe, aïe, aïe. Elle se promenait partout, mais avec les deux doudous. C'est-à-dire qu'on a encore ajouté de la complication, voilà. Quoi. Et vous, Sébastien, ça vous est déjà arrivé de perdre des doudous? Alors, on l'a pas vraiment. Disons qu'on a un peu anticipé parce qu'on a vu qu'elle était très attachée. Donc, elle a peut-être eu oublié une seule fois en salle d'attente. Mais en général, non, elle l'a pas perdu. Bon. Par contre, c'est vrai qu'on fait en sorte qu'elle sorte pas trop avec pour éviter de le perdre, parce que là, ça risque d'être le drame. Oui, parce qu'il y a les doudous de la nuit, puis les doudous de la nuit et de la journée. Et puis voilà, ça dépend des enfants. Fiorovitch, on le voit ce matin. C'est vrai que ces doudous sont des vrais personnages de la famille de Sébastien et Sandrine. Qu'est-ce que ça représente, un doudou? C'est quoi pour un doudou? Alors, un doudou, c'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose de très spécial qu'on ne prête pas et que l'enfant se choisit. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut lui proposer, mais c'est l'enfant qui va décider d'investir ou non ce qu'on lui propose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout petit, le bébé n'a pas conscience d'être un être à part, individué, il est tout fusionné avec sa maman. Et puis le sein, c'est quelque chose de magique. Jacques Addy a dit le sein arrive, Gogo Gadget au sein. Et progressivement, il va se rendre compte que bah non, que ce sein ne lui appartient pas, qu'il n'est pas tout fusionné, qu'il n'est pas siamois de sa maman. Et du coup, il y a une forme de désillusion. La magie n'opère plus comme avant, donc astucieusement, il va investir autre chose. Donc un objet transitionnel. Exactement, quelque chose qui va l'aider. C'est une stratégie pour se séparer. En fait, cet objet transitionnel dont parle Winnicott, c'est quelque chose que l'enfant va choisir astucieusement pour se donner la possibilité de se séparer petit à petit de sa maman. Et l'odeur est importante, on le dit souvent. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il ait l'odeur de la maman pour oui, que ça marche? Elle est très importante, l'odeur. La dimension olfactive chez le tout petit est vraiment très importante. C'est le bon goût de la bonne odeur de famille. Vous savez, c'est comme quand on arrive chez sa mémé, que ça sent le couscous sur le palier. Et ben, le doudou que le bébé va se mettre sur le visage pour s'endormir, il va se sentir pénétré, apaisé de cette odeur de familier. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas laver les doudous. Il faut que la maman, le papa respecte cette idée que... Même s'il se mouche dedans, on l'a... Ouais, bon, alors s'il tombe dans la gadoue, bon. Mais ne pas le laver trop souvent, parce que cette odeur raconte un peu de maman, un peu de papa, un peu de la maison. Et quand il est à la crèche, par exemple, quand il est à l'extérieur, c'est ce qui va lui permettre d'avoir ce morceau de chez soi. C'est un refuge, en Exactement. Fait. Exactement. C'est une petite bulle de sécurité. Alors, comme beaucoup d'enfants, Arthur a un mini-lui, c'est son double, un doudou tout doux. Maëlle Carguenou les a suivis tous les deux tout au long de la journée. Doudou, on se lève. Viens. Oh, Is. Ça va? Oui. Doudou a 2 ans. Doudou, c'est lui. Ce petit chien accroché au bras d'Arthur, 2 ans lui aussi. Dès le réveil, ils se suivent partout. Le matin, on le retrouve toujours avec le doudou contre lui, contre son visage. Et on se lève avec le doudou. On vient faire un gros câlin sur le canapé avec le doudou. Et ensuite, on va s'habiller avec le doudou aussi. En fait, sa grande sœur, qui a maintenant 5 ans, avait beaucoup de difficultés à s'endormir sans nous. Elle ne voulait s'endormir que dans nos bras. Et quand elle est entrée en crèche, la pédiatre de la crèche nous avait conseillé de lui donner un doudou pour avoir un petit lien avec nous, en fait, même dans son lit. Et ça avait plutôt bien marché. Pour Arthur, ses parents ont préféré anticiper. Son doudou l'attendait déjà à la maternité. Arthur, doudou, il mange le matin ou pas? Il a pas faim le matin?
Il ferme la bouche. Il est sur la table avec nous. Il ne mange pas, mais il est là. Et si on l'oublie, on va le chercher. Mais il est toujours là. Alors, pour la petite astuce, effectivement, on a acheté quelques doudous pour parer à la perte éventuelle. Et d'ailleurs, là, on en a, on a 3 exemplaires. L'un doit être au lavage. Donc là, on a pas mal de doudous pour au cas où, parce qu'on sait que la perte d'un doudou, d'une tétine, peut engendrer de grosses crises. Pour éviter ces grosses crises, Arthur a l'autorisation d'emmener son plus fidèle compagnon à la crèche. Bonjour Marion, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Alors Arthur, il a passé une nuit un petit peu agité. D'accord. Mais sinon ça va, il a bien mangé. Je vois que Doudou, Doudou il est là ce matin. T'as ton petit Doudou comme d'habitude. Il a bien dormi Doudou ? Doudou, oui, peut-être qu'il a plutôt aidé à calmer la nuit agitée. Tu vas avec moi Arthur ? On se dit bonjour ? Oui. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée à vous, à ce soir. Au revoir. Au revoir. En fait, à travers cet objet, l'enfant revoit des images qui lui sont familières à la maison, comme les odeurs, l'image rassurante de ses parents, ce qui fait vraiment la transition entre l'environnement familial de l'enfant et l'environnement d'accueil, ce qui lui permet du coup de se rassurer tout au long de la journée, d'être en ce qu'on appelle en sécurité affective. Est-ce que tu es prêt pour qu'on pose Doudou, qu'on le mette dans sa petite maison, dans la pochette? Tu veux? Je te laisse aller le poser. Ouais, t'as bien identifié que c'était là, l'espace où il se range. Tu mets ta tétine avec? Super. Le point de ralliement pour cette armada de doudous, ces petites pochettes attribuées à chaque enfant. Odette et tout le radeau. Et ensuite Roger. Ce sont mes deux doudous. Le doudou, c'est en libre service, en libre accès, il n'y a pas d'interdit. L'enfant peut aussi bien l'emmener au jardin, au repas, c'est vraiment quand il en a besoin. Mais le plus souvent, ils ne sont pas loin de leur propriétaire. Les doudous sont bien là pendant le déjeuner. Alex vient la sieste, l'heure de rassembler la colonie de doudous. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. J'ai trouvé Poupette. Tu l'avais laissée dans les couloirs. Oh ben oui, c'est Doudou. Doudou. Oui. Tu l'as laissé dans les couloirs, tu vois. T'es un coquin, hein, tu l'as caché. Ça les apaise, ça leur assure. Et là, au final, ben, ils n'auront pas beaucoup besoin de l'adulte, du coup, pendant l'endormissement. La sieste, c'est aussi une coupure. Donc ils ont d'autant plus besoin de se rassurer. Bien qu'ils aient toujours les mêmes repères, leur lit, leur emplacement, leurs odeurs aussi. Puis c'est un rituel aussi du coup de prendre son doudou et de le cajoler avant de dormir. L'avenir nous dira si le doudou d'Arthur, Odette, Simba et les autres peluches suivront leurs copains à l'école maternelle l'année prochaine. Et on fait un gros bisou à Arthur et à son doudou. Sébastien, quel type de lien elle a, Céleste, avec son doudou? Alors c'est un lien, j'allais dire, c'est un peu fusionnel et c'est un petit peu son double. Donc on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que ce qu'il y a de particulier comme objet transitionnel, c'est qu'elle le sort assez peu de la maison. Par contre, quand elle a eu des problèmes de santé, elle a eu notamment 2 hospitalisations où elle est restée un mois à l'hôpital, elle a gardé le doudou de la maison, ce doudou de la maison avec elle. Alors est-ce que c'est vrai que c'est important justement que le doudou serve aussi en dehors de la maison et surtout? C'est ça, c'est-à-dire qu'on emporte un petit morceau, un petit peu de chez soi, un petit peu de papa, un petit peu de maman, à l'extérieur. On fait face à ce monde extérieur grâce à ce doudou avec ses pouvoirs de fée. Et elle s'en sépare facilement de son doudou? C'est difficile de le laisser à la maison le matin? Le matin, alors, bah, en fait, quand elle va à l'école, elle pose Nini dans la salle de bain, elle dit que Nini va à l'école, et puis elle attend que Nini vienne la chercher à l'école. D'accord. Donc, elle s'en sépare bien à condition que finalement Nini fasse la même chose qu'elle en même temps. Ça la rassure. Voilà. Sandrine, comment vit Célia avec son doudou à la maison? En permanence. Elle ne le lâche pas, elle mange avec. Quand elle va prendre le bain, le doudou est à côté d'elle. On va se promener, doudou est là. Il est là en permanence. Eve Purovic, c'est quoi la différence entre un doudou et un ami imaginaire? On l'avait évoqué dans cette émission. Oui. Quels sont les 2 rôles du doudou et de l'ami imaginaire? En fait, là, pour le moment, elle le transporte partout, son petit doudou, parce que c'est une extension d'elle-même.
et ça lui permet de se créer un espace psychique, de rêverie, de créativité. Et progressivement, cet espace va donner la possibilité d'avoir un ami imaginaire. C'est-à-dire que la première étape, c'est j'ai besoin de cette sécurité. D'ailleurs, en anglais, on dit security blanket pour parler du doudou. La couverture sécuritaire. Exactement, cette idée de sécurité. Donc, c'est vraiment, j'en ai besoin pour sentir la permanence de la maman, du papa, de quelque chose qui me réconforte. Et progressivement, cet espace que je crée dans ma tête, cet espace qui est à moi, qui n'est pas maman, qui est vraiment quelque chose que je me crée, que je me cisèle comme ça pour moi, je vais pouvoir après l'investir de tout un tas de jeux. Et cet ami imaginaire, c'est la suite. En fait. Ça peut être une suite, c'est pas obligé. Oui. Ça peut être une suite. Et est-ce que c'est bon, un enfant qui n'a pas de doudou, est-ce qu'on peut dire que c'est bon signe? Ça veut dire qu'il est sécurisé, qu'il n'a pas besoin de se sécuriser ailleurs? Alors, plusieurs choses. Quand on vit dans une société, par exemple, traditionnelle, où on est dans les champs avec maman non-stop pendant 2-3 ans, a priori, on n'est pas dans quelque chose d'une séparation et donc on n'a pas forcément besoin d'investir un objet. Quand on va à la crèche à 3, 4, 5 mois, c'est différent. Après, on a l'impression des fois qu'un enfant n'a pas de doudou. Mais ça, c'est notre perception. Mais donc, c'est culturel aussi. Oui, et tout à fait, il y a une dimension culturelle. Mais il y a des pays où il n'y a pas de doudou. Ben, quand on est avec l'enfant pendant les premières années, visiblement, il n'y a pas de nécessité. Mais des fois, on croit que l'enfant n'a pas de doudou, mais il a un doudou que nous, on ne perçoit pas. Il investit autre chose. Exactement, ça peut être le bout de laine qui sort du tour de lit, ça peut être une étiquette qu'on touche. D'un vêtement. Oui, ça peut être un son, une histoire doudou. Quand on veut tous les soirs la même histoire, ça fait office aussi de doudou pour après glisser dans le sommeil, dans cette séparation si particulière qu'est le sommeil. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant, a priori, n'a pas de doudou, qu'en réalité, il n'en a tout n'est pas objet. Le pouce, c'est un doudou? Ça peut. L'objet transitionnel n'est pas forcément un objet peluche. D'accord. C'est peut-être autre chose. Alors, Sandrine, racontez-nous ce que vous avez entrepris après avoir cherché un doudou de rechange pour votre fille. Bon, après, je me suis aperçue que c'était quand même très compliqué et qu'il y avait beaucoup de mamans et de papas dans mon pareil que moi. Donc, j'ai essayé, comme j'étais en congé parental, de les aider à trouver un double. Donc, ils m'envoyaient des photos et j'essayais de les aider comme ça pour leur trouver le double du doudou. Alors, comment ça marche précisément? Je perds le doudou de mon fils, qu'est-ce que je dois faire? Alors maintenant, j'ai créé un site. Donc maintenant, ils peuvent venir sur le site. Il y a une bibliothèque de doudou assez large. Autrement, ils peuvent m'envoyer une photo et j'essaye de faire des recherches pour eux parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Moi, j'essaye de prendre le temps. Ah, ça, c'est bien. Merci. J'essaye. Sandrine, vous voulez dire quelque chose? Oui, Agathe. En fait, souvent, quand son enfant perd son doudou, c'est aussi questionnant de voir la réaction qu'on a, nous, en tant que parents. De se dire, mais enfin, mais moi aussi, en tant que maman, comment je vais faire sans le... C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que c'est le disque dur. C'est un relais, en fait. On a l'impression que ce doudou aussi, il absorbe toutes les aventures que l'enfant vit sans nous. Et perdre le doudou, c'est un peu perdre ce disque dur où on a toutes ces pépites de vie loin de nous. Donc, c'est un peu l'objet transitionnel de la maman aussi, hein, quelque part, ou du papa. Ça rassure aussi les parents, quoi. Sébastien, vos trois enfants ont le même rapport à leur doudou? Alors, celui de Céleste est plus fusionnel du fait de son passé médical, mais son frère a l'air plutôt parti sur la même voie. C'est-à-dire que bon, lui, il a pas une souris. Lui, c'est un peu un doudou, un peu comme sur la table avec une tête de chien qu'il appelle petit toutou. Alors lui, pareil, il l'emporte partout. Il fait des bisous à Nini. Et par contre, on peut pas y toucher. Ah oui. Alors peut-être que oui, enfin en tout cas Céleste peut pas y toucher, hein, faut qu'il le garde. Alors il est peut-être investi un petit peu différemment parce qu'il peut accrocher aussi une tétine avec, donc peut-être que dans le geste il l'investit. Il y a la tétine et le doudou. Ça va de pair. Voilà, oui, il y a la tétine, les doigts, aussi, il y a tout ça. Un. Oui. Alors à quel moment est-ce qu'il arrive à s'en séparer de ce fameux doudou? Très progressivement. Normalement, les choses, on dit qu'a priori, l'entrée à la grande école, le doudou donc, perd ses pouvoirs de fée, redevient comme dans Toy Story, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin de Toy Story 3, quand Andy retrouve ses anciens jouets, ses anciens doudous, et il a de l'affection, mais ça n'a plus valeur d'objet transitionnel. Mm-hmm. Donc progressivement, normalement, l'enfant comprend qu'il est fort, qu'il est aimé, et que finalement, l'amour qui est...
que le doudou porte sur ses petits bourrelets, finalement, va imprégner son cœur d'enfant. Il va se sentir armé pour la suite. Donc très progressivement, c'est un processus. Est-ce qu'il y a un moment où il faut s'inquiéter, où on se dit le doudou est vraiment trop présent, donc je vais essayer de lui enlever? Mon sentiment, c'est que quand il y a une difficulté à aller vers l'extérieur, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand l'enfant est en difficulté pour aller jouer, pour plonger dans le bain culturel des autres, de la découverte, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Mais sinon, non, s'il est au fond du cartable, puis les choses sont très ritualisées. À l'école maternelle, il y a le bac à doudou, on le garde pour le coucher en général. Donc même à la maison, quand on est un peu, on n'en peut plus de voir ce doudou partout. Dans le bain, à table, on peut dire écoute, maintenant tu es grande et tu vas voir, être grand, c'est plein d'autres choses, parce qu'il faut donner envie à l'enfant de grandir, parce que grandir ça ne veut rien dire. Mais voilà, quand on comprend que ça va être intéressant de grandir, on va se dire ok, le doudou, je peux le garder pour des moments particuliers, quand je suis dans mon siège auto, quand je suis sur le point de m'endormir. Et c'est là que la fée doudou intervient, hein, si je peux vous donner un petit conseil, la fée qui arrive et qui prend le doudou et du coup qui fera des gros bisous et des gros cadeaux. Sébastien, vous êtes très amateur de peluches. Est-ce que vous avez encore un doudou ? Alors, un doudou, j'allais dire plus ou moins. En fait, avec mon épouse, on a une peluche qui nous quitte pas. C'est cette peluche-là. Voilà. Elle vient de chez vous ? Elle vient de chez votre épouse ? Alors, en fait, on l'a acheté ensemble. Ah, vous l'avez acheté, d'accord. C'est pas un truc d'enfance. Non, c'est pas un truc d'enfance. Bon, on l'a acheté dans un grand magasin parisien dont on ne citera pas le nom. Non, ne le faites pas, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous mettre en difficulté. Bah oui, non, c'est pour ça. Alors, vous l'avez acheté tous les deux, vous avez craqué. On a craqué, alors comme d'habitude, hein, c'est quand on voit une peluche, quand on lui trouve un prénom, c'est foutu. Hein. Là, il finit toujours dans le caddie. Et puis, en fait, on l'investit un petit peu mutuellement, c'est-à-dire qu'il nous sert aussi, c'est un peu comme un personnage qui nous suit, il nous sert aussi parfois à communiquer. Ah, c'est vrai ? Dans votre communication de couple, vous en servez ? Bah, comme il a un sens, il n'a aucun sens du politiquement correct, il peut dire des choses directement que nous, on ne peut pas se dire forcément directement. C'est pas mal, ça. Mais donc, quoi, vous l'animez, quoi, vous faites le marionnettiste ? Ça peut, et puis bon, alors c'est assez marrant parce que ça peut m'arriver de lui faire commencer une phrase et puis mon épouse va terminer. Ah oui, d'accord. Donc il est investi autant par l'un que par l'autre. Bon, on a vraiment l'impression que c'est un peu vous qui avez transmis cette passion du doudou à vos enfants. Vous avez ce sentiment-là ? Alors, non seulement j'ai ce sentiment-là, et puis quand je vois le rapport de Céleste avec son doudou, alors il y a beaucoup d'imitations, mais même à tel point que parfois, ça lui arrive de faire parler Vico. Ah ouais. C'est pas mal, hein, comme médiateur. Hein. C'est plutôt une bonne idée. Ça vous surprend, un adulte qui a encore un doudou, qui a des peluches ? Moi, rien ne me surprend. Oui, bah vous êtes évidemment, vous mais êtes habitué. Moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, on parlait de cet objet transitionnel qui peut ouvrir un espace de créativité et de jeu. Ben, on est dedans, en fait. Hein. Là, c'est quelque chose qui perdure du terrain de jeu. Bon, ça, et puis c'est votre, un peu votre espace transitionnel de discussion avec votre épouse sur des terrains un peu houleux. Bon, pourquoi pas, ça marche en tout cas, voilà. Oui, c'est un parfait objet transitionnel partagé. Il fait partie de la famille, Vico. On va accueillir Marie-Père Arnaud qui télétravaille aujourd'hui. Vous n'avez même pas la chance de la voir en vrai, c'est pas de chance, parce que ça vaut le coup, je peux vous le dire, avec ses yeux d'or. Marie, est-ce que vous avez des réactions, des questions à nous transmettre sur les réseaux ? Oui, beaucoup de questions, beaucoup de réactions, beaucoup d'adultes qui ont encore des doudous, rassurez-vous. Et on a Sarah qui demande à partir de quel âge peut-on donner un doudou à son bébé la nuit sans aucun risque, parce qu'il peut y avoir des risques éventuellement d'étouffement. Alors, qu'est-ce qu'on conseille ? Mais en fait, effectivement, alors on a tendance, on conseille souvent maman déjà de ne pas se parfumer au début pour garder l'odeur naturelle et de dormir avec, donc que la maman mette sous les aisselles ou sur elle un t-shirt et qu'elle donne après au bébé dans un coin du berceau pour que l'enfant s'imprègne de cette odeur. Mais on veille bien, effectivement, on peut le mettre dès le départ, mais on veille bien après, dès que l'enfant s'endort, à l'éloigner. En fait, il faut être très vigilant avec tout ça, même à la crèche, on donne les doudous, mais le personnel de crèche est très vigilant pour que l'enfant ne s'étouffe pas. Donc on peut donner très tôt, mais on fait toujours attention. Mais là, ça veut dire que c'est un peu le parent qui choisit pour l'enfant. Il va choisir au début, il va donner cette possibilité à l'enfant. Mais l'enfant, vers 8-9 mois, quand il va commencer à crapahuter, il va pouvoir choisir un linge tout cracra dans le bac à jouer de sa sœur. Et c'est ça qu'il va investir. Donc d'accord. On peut proposer et lui, il a un libre arbitre, le bébé. Il va dire, je prends pas. D'accord. Marie, d'autres questions ?
Oui, Colline, sa fille de 11 mois, a reçu plusieurs peluches depuis sa naissance, mais elle ne leur porte pas d'intérêt particulier. Est-ce que justement, on l'encourage à choisir un petit compagnon à partir du moment où l'enfant est un peu plus âgé? Est-ce que... Voilà. Encore une fois, c'est l'enfant qui choisit. C'est l'enfant qui décide. Donc, je ne sais pas... C'est... Marie a disparu de l'écran, donc voilà. Vous pouvez me regarder, moi. C'est l'enfant qui décide, on peut lui proposer, mais encore une fois, ce qui va faire office d'objet traditionnel n'est pas forcément un objet, un doudou. Mm-hmm. Il va peut-être se choisir la vieille chemise de maman. Tout est possible. Tout est possible et l'enfant est d'une créativité inouïe. Marie. Oui, justement, je voulais partager la petite anecdote d'Émilie qui dit « Faites attention à ce que vous donnez à votre enfant pour faciliter la séparation à sa naissance, à la naissance. À la reprise du travail, la nounou lui avait conseillé de laisser un t-shirt. Elle avait laissé un genre de t-shirt nuisette, sauf que l'enfant l'a vraiment investi comme doudou et qu'à la rentrée à l'école maternelle, elle a eu un petit peu la honte quand il a fallu mettre la nuisette dans le bac à doudou. Voilà. » Voilà. Le doudou, c'est un peu la maman, donc c'est la douceur. C'est, bon, c'est plutôt flatteur si c'est une nuisette en soi. Oui, mais enfin bon, à la crèche, la nuisette en soi, un peu olé olé, bon, c'est peut-être pas terrible. Évitez aussi les roues de secours, ces choses-là. Marie, encore une question. Oui, on a Béatrice qui dit « Ma fille a 2 ans, elle a 2 doudous et elle les trimballe partout. Est-ce qu'on doit laisser justement l'enfant trimballer 2 doudous ou 3 ou 4 à la crèche ou est-ce qu'on lui dit « Voilà, t'en choisis un et ça sera celui-là aujourd'hui ?» Après, c'est la question de la tolérance et du curseur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est normal pour moi, qu'est-ce qui l'est pour ma voisine, qu'est-ce que je tolère moi, qu'est-ce que ma sœur ou ma cousine va tolérer. Il y a des crèches qui vont tolérer qu'il y ait plusieurs doudous et qu'on puisse les trimballer partout tout au long de la journée, des crèches qui ont des visions différentes et à la maison tout autant. Donc il n'y a pas vraiment de oui, de non. J'ai en tête, là, j'ai eu un échange hier avec une formidable directrice de crèche qui disait que certains enfants avaient besoin, après 10 heures passées à la crèche, de ramener un objet de la crèche à la maison. Ah aussi. Un objet transitionnel dans l'autre sens. Donc, ça, c'est étonnant. C'est assez étonnant. En tout cas, la flexibilité de l'adulte par rapport aux besoins de l'enfant est primordiale, je crois. Oui, il faut être à l'écoute, observer beaucoup. Tout à fait. Marie, encore. Oui, on a une maman qui dit « Depuis la naissance de sa petite sœur, c'est Ayla, ma fille est devenue accro à son doudou. Est-ce que c'est parce qu'on a mal préparé l'arrivée de la petite sœur ?» Non, il ne faut pas se culpabiliser du tout. Au contraire, c'est parce qu'il y a effectivement une amorce de séparation et que ce doudou va permettre un espace vers l'extérieur. Le petit bébé maintenant qui va être tout collé à la maman, et bien la grande sœur va progressivement, elle, s'envoler. Et ce doudou, c'est le compagnon du voyage, en fait. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin, Ève. Merci à tous les deux d'être venus témoigner. Et merci encore pour ce site. Non, vraiment, Sandrine, on vous laisse. N'oubliez pas Vico. Hein. Tu peux, comme votre enfant, en faire attention. On va vous conseiller 4 bouquins qu'on a sélectionnés à la Maison des Maternelles si le sujet des doudous vous intéresse. Comment s'en séparer? Pourquoi je l'oublie jamais? Alors, il y a Elliot Dore chez son copain, aux éditions Gallimard Jeunesse, par exemple. Il y a également Au dodo doudou. Ça, c'est aux éditions Casterman. Le lapin de velours aux éditions Grund, Guilly Lapin chez Kaleidoscope, École des loisirs. Voilà, si vous voulez approfondir le sujet et surtout parler doudou à vos enfants avant de faire dodo. Mais on a vu aussi que, vous l'avez très bien dit, qu'une histoire, ça peut être aussi un doudou avant de dormir. Allez, direction Versailles, tout de suite, pour tout savoir sur ce qui se passe à l'école maternelle des Lutins. Bonjour Laurent. Ça y est. Ça y est, bonjour. Oui. Bonjour, vous êtes jardinier et amateur dans l'école des Lutins depuis 8 ans environ. Vous êtes avec les enfants de la grande section. Qu'est-ce que vous faites précisément? Alors là, nous sommes en train de préparer la floraison de printemps. On est en train de planter des bulbes. Alors qu'est-ce que l'on plante, nous? C'est quoi les fleurs? On est en train de mettre des tulipes, voilà. Et qui vont pousser quand alors? Quand est-ce qu'on va les voir? Les tulipes vont pousser, ça va commencer à démarrer mi-mars pour être en fleurs à la mi-avril, voilà. Alors est-ce que c'est un atelier que les enfants apprécient particulièrement? Ben écoutez, vous voyez par vous-même, hein, vous voyez, oui, ils aiment bien travailler la terre, ils aiment bien, ensuite on récolte les fleurs, on peut en offrir au papa et maman au printemps, voilà. Mais c'est bien parce que, évidemment, quand on habite dans une ville, on n'a pas souvent des jardins, donc ça compense un tout petit peu, j'imagine. Alors, continue, refais un trou là-bas, Théo.
refait un trou. Alors, y a quand même, en fait, certains n'ont pas de jardin en ville, oui. Après, beaucoup quand même ont... chez papy et mamie. On entend souvent qu'ils plantent aussi avec les papys et les mamies. Hein. Et alors, du coup, j'imagine que vous en profitez pour leur faire apprendre un petit peu de vocabulaire. Alors en fait, on fait, voilà, c'est pas simplement travailler à terre. En fait, on est ce qu'on appelle éco-jardinier. Donc c'est vraiment en fait tout ce qui tourne autour de la nature. On peut aussi bien travailler, faire des recettes de cuisine quand il y a quand c'est le moment des récoltes. On va parler des insectes. Sur la ville, en fait, on est à ce qu'on appelle zéro produit sanitaire, phytosanitaire. Donc il n'y a aucun produit. Voilà, hein, on recycle, on a des composteurs. On va travailler, voilà, le petit ver de terre que nous on est en train de toucher. Bon, écoutez, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que les lutins, c'est un peu l'école de nos rêves. Il a disparu, dis donc. donc vous avez disparu, Laurent, puis vous êtes revenu. Laurent, merci mille fois de nous avoir fait partager cet atelier Entendu. Jardinage ce matin. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, on embrasse aussi tous les enfants. Demain, ce sera le dernier jour chez les lutins à Versailles. On va découvrir un cours d'écriture en grande section. C'est vraiment une super école. Et c'est l'heure de pratiquer maintenant dans la maison des maternelles. Alors que vous soyez enceinte ou d'ailleurs que vous veniez d'accoucher, l'aménagement de la chambre de votre bébé, c'est quelque chose évidemment de très important et qui évolue au fur et à mesure que le bébé grandit. Comment aménager cet espace? Où placer les meubles? Comment faciliter son sommeil? Quelle lumière adopter? Afida répond à toutes vos questions ce matin. Bonjour Emma. Alors, comment ça va? Elle a 2 mois et demi, Emma. Oui, elle aura 2 mois et demi dans quelques jours. Et aujourd'hui, Carole et Emma sont avec nous pour parler de comment préparer la chambre du bébé. Le moment idéal pour préparer une chambre, 3e trimestre, je pense que c'est la bonne période. Ce qu'il faut se mettre dans la tête quand on prépare une chambre, c'est la sécurité et bien sûr après on parlera d'hygiène. Alors Emma et Carole, on va commencer bien sûr par le lit. Alors le lit, pourquoi? Parce que c'est la première des choses dont on a besoin. Voilà. Alors, un lit simple, non bancal, ça c'est hyper important. Bien sûr, il doit être face à l'entrée, hein. Je ne sais pas comment vous l'avez mis le vôtre. Nous, il est juste à côté de l'entrée pour pouvoir l'avoir. Voilà, ça c'est très bien parce que dès qu'on bébé commence à chouiner un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde sans le réveiller, on a vraiment visu sur l'enfant. Alors, le matelas toujours ferme, qui est adapté au lit, une gigoteuse pour la nuit, d'accord? Et surtout, vierge de tout. Un lit, c'est fait pour dormir, donc c'est pas fait pour jouer. Donc à éviter de mettre tous ces beaux nounours qui sont aussi mis à poussière. À la rigueur, son petit doudou, mais pas plus. Ne pas mettre non plus le fameux tour de lit qui est très très beau. C'est vrai qu'on a toutes mis ce fameux tour de lit, mais c'est pas du tout recommandé. Et surtout pas ni d'oreiller, ni de traversin. Et ça, c'est pour les risques d'asphyxie. D'accord. Donc on a parlé de sécurité et hygiène, mais on a aussi... la température ambiante. Donc une chambre, il faut qu'elle soit à 20 degrés. Et si vous trouvez que l'air est trop pesant, il ne faut pas hésiter à mettre des humidificateurs. Et si vous trouvez qu'il fait froid, n'hésitez pas à rajouter un petit bonnet quand ils sont petits, des petites moufles et puis un petit gilet. D'accord. Une chose importante aussi, un enfant ne doit pas dormir ni à côté d'une source de chaleur, donc les radiateurs, ni à côté d'un courant d'air, c'est-à-dire les fenêtres, surtout si elles sont mal isolées, donc à éviter. Ok. On a donc le sommeil et là on va avoir de quoi langer et changer son bébé. Alors on va la poser puisqu'elle est tort et puis 5 kilos ça pèse. Hein. Ça commence. Si on n'a pas de table à langer, ce petit matelas à langer, on le pose pour changer son bébé sur une commode. Donc avec une commode, on a de quoi ranger déjà. En plus de ça, on a le coin où on peut changer son bébé. N'est-ce pas petite Emma? Alors, il y a aussi une chose qui est bien, mais vous pouvez vous installer sur ce beau fauteuil. Mais je vais t'emmener chez ta maman parce que... Ah bah c'est vous, vous allez voir comment il est bien notre fauteuil. Donc ce fauteuil, encore une fois, si on a de la place, alors quand on allait ou même quand on a envie de donner juste un petit câlin à son enfant, bah, c'est quand même appréciable de l'avoir. Alors il y a une chose aussi qui est importante, c'est éviter les doubles rideaux parce que c'est vraiment un nid à poussière. Alors un rideau en coton qu'on peut laver facilement, c'est parfait. Qui laisse aussi, tout en étant opaque, il laisse la lumière du jour rentrer. Parce que la lumière du jour est très très importante pour la croissance de l'enfant. Ben oui Emma, ça te plaît tout ça?
Est-ce qu'il y a une place idéale pour, dans la maison pour la chambre de bébé? Donc c'est vrai que l'emplacement idéal pour la chambre de bébé, c'est la chambre qui est le plus proche de celle des parents. Vous entendez votre bébé s'il se réveille. Et pour les luminaires? Souvent les petites lumières jaunes sont bien, il ne faut pas que ce soit une lumière très flashy. Et pas de lumière fluorescente surtout. Une petite lampe comme ce qu'on a ici, c'est quand même pas mal. D'accord. Voilà. Je vais venir avec vous. Et voilà, vous savez tout sur la chambre du bébé. Merci à Afida. On retrouve Karim tout de suite dans la salle Zen qui est avec Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Vous êtes la maman de Nelly qui est ici, qui est une merveille, qui a 3 mois, qui est hyper sage. Bah oui, Nelly, on parle avec maman à la télé en direct. Est-ce que vous avez repris le sport? Oui, un petit peu. Un petit peu? Oui. À partir de quel... J'ai attendu ma rééducation périnéale et puis là, je reprends la gym tout doucement. Elle est parfaite, hein, Afida vous adore déjà. Alors là, on arrive au terme de notre semaine spéciale abdominaux, Karim, oui. Parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine. C'est vrai qu'a priori, grossesse, accouchement, ça ne va pas trop avec abdominaux. Mais vous, vous nous proposez des abdominaux doux et justement qui nous font du bien et qui vont nous permettre d'avoir un ventre plat. Sortez vos tapis, on est parti. Exactement, Agathe. Mettez-vous sur le dos, s'il vous plaît. On a déjà abordé cet exercice. On va faire, les deux premiers exercices qu'on va faire sont des exercices très doux que vous pouvez faire dès que vous commencez à marcher. On va travailler juste sur la respiration. D'accord, donc c'est pas, on ne fait pas de mouvement. On ne fait pas de mouvement, on ne fait pas de pression sur le périnée. Donc, tout le temps où vous ferez votre rééducation périnéale, vous pourrez faire ces exercices. D'accord. Parce qu'il n'y aura aucune pression vers le bas et vous tonifierez quand même la sangle abdominale, le transverse et les obliques notamment. Fausse inspiration thoracique, c'était quoi? L'idée, c'est d'expirer, souffler par la bouche, voilà, et vous bloquez les narines. Voilà, allez-y. Ah oui. C'est pas grave. Soufflez. Imaginez que le nombril va contre la colonne vertébrale et bloquez vos narines. Et vous faites semblant d'inspirer. Voilà, regardez ce qui se passe. Ah oui, ça se creuse. Ça se creuse. Ça veut dire que le transverse est engagé. Vous musclez et relâchez. Ça, inspirez. Ça muscle, ça. Ah, énormément. Oui. Demandez la sensation. Ah oui, on le sent vraiment dans le ventre, dans les abdos, profond. En douceur. Essayez encore. Expirez, soufflez. Le nombril va contre la colonne vertébrale. Vous imaginez que le nombril va contre la colonne vertébrale. Et là, vous bloquez les narines. Vous remontez comme si vous vouliez inspirer, mais fausse inspiration. Il n'y a pas d'air qui rentre. Maintenez, plaquez la tête bien au sol, la nuque au sol et relâchez. Inspirez. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, tranquillement. Au début, vous bloquez les narines avec les doigts. Mais une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez faire la même chose sans bloquer les narines. Et ça veut dire que vous pouvez le faire n'importe où. C'est ça, devant la télé, avant de se coucher le matin, oui. En donnant le biberon. Non, exactement. C'est bien. Votre deuxième exercice, vous l'avez appelé « Le ciel ne nous tombe pas sur la tête ». Oui, référence à Astérix peut-être. Alors, toujours, on se travaille sur la respiration. Et vous voyez, Agathe, qu'on travaille toujours en étirement. D'accord. L'idée, c'est de faire vos exercices d'abdominaux sans rapprocher les épaules des hanches. Okay. Toujours étirer la colonne, ce sera mieux. Que vous soyez enceinte ou pas. Voilà. Alors, relâchez. Voilà. Inspirez, laissez les mains venir au-dessus de la tête. Parfait. Prête. Et expirez, levez, tendez. Plaquez la nuque contre le sol. Pareil, le ventre rentre. Et ici, vous pouvez repousser un mur. Maintenez 5 secondes. Et inspirez, revenez. Ça, on le fait à partir de combien de temps? Ça, c'est après la rééducation ou ça, dès que vous commencez à marcher. D'accord, ça allongé, aussi. Ça se fait, respirez normalement, ça se fait allongé ou à 4 pattes. Vous ne faites aucun exercice debout. D'accord. Tant que votre rééducation du périnée n'a pas été faite. Mais ces exercices sont tranquilles, vous pouvez les faire sans problème. Voilà. Et je vous répète, il faut que vous ayez fait votre rééducation du périnée. Vous ne pouvez pas y couper. D'accord. D'ailleurs, il y a la petite musique tibétaine, hein, voilà. Qui se met en route pour appuyer sur ce fait que... On est tranquille. Ça va, Aude? Vous êtes tranquille? Ça chauffe pas trop? Un petit peu quand même. Oui, bah voilà. Ça contracte. Ça travaille, ouais. Vous sentez que ça travaille? Oui, ça n'a l'air oui. De rien comme ça vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, non seulement ça masse les organes internes, mais ça travaille énormément. Bon, alors on passe au troisième exercice, okay. Karim. Ça s'appelle l'ouverture contrariée. Tout l'ouverture un programme. Contrariée. Il nous faut lever la jambe pour ça. On a vu la dernière fois comment est-ce qu'il fallait lever la jambe. On ne pêche pas la jambe, on y va doucement. Inspirez. Et suivez l'expire, venez. Ça part le mouvement part des hanches. Placez-vous là. Parfait. Respirez normalement. Mettez une main en opposition. Ici, on la main du même côté
peu la jambe. Ici, l'idée, c'est essayer d'ouvrir la cuisse, mais la cuisse va résister. Le mouvement part du ventre. Une main est sous la nuque pour bien sentir la résistance. Vous plaquez votre tête au sol et allez-y sur l'expire. Voilà, rien ne bouge, tout est tenu. Plaquez la tête, la nuque contre le sol. Et là, vous sentez ce qui se passe là? Bon, je ne vais pas trop vous faire parler. Respirez, inspirez. Encore une fois, sous l'expiration, là, il n'y a aucune pression vers le bas. Tout est tranquille, mais vous tonifiez ce ventre. Tonifiez. Alors, Aude, j'ose pas le dire devant Nelly, hein, qui nous écoute, là, du haut de ces trois mois. Le prochain exercice s'appelle « Le chien qui regarde sa queue ». Je suis désolée, c'est Karim qui invente les petits trains. Oui. On va passer à quatre pattes, sur quatre appuis, parfait. Tranquille, cette position aussi est très safe pour votre périnée. Ici, on va imaginer un chien qui veut se tourner pour regarder sa queue, mais on ne va pas se tasser. L'idée, c'est de se grandir. Déjà placé ici, sentez que vous reculez, vos hanches reculent, reculez le bassin, et vous tournez en expirant, comme si vous vouliez regarder là-bas, mais expirez, remontez le ventre comme tout à l'heure, parfait. Maintenez, ça peut être très court, il y a un étirement de ce côté, les abdominaux travaillent. Et revenez sur l'inspiration. Ça tire un peu, Aude, ou pas? Oui, ça tire sur le côté, oui. Vous travaillez encore. Essayons l'autre côté. Ah oui. Utilisez la main, le sol, griffez le sol, parfait. Vous allez sentir ce qui se passe là très fort, en expirant sur l'expiration. Mais là, en fait, c'est plus des étirements que non, le travail des abdos. Il y a un côté qui étire, baissez la tête, restez toujours dans l'axe, parfait, comme ça. Et encore l'autre côté. Non seulement ça étire parce que ça peut soulager, si vous avez des douleurs, souvent on a eu le ventre, ça a pressé sur les côtes, ça soulage, mais ça permet de muscler les obliques. D'accord. Donc c'est complet là, avec les quatre exercices, ça va. On a un truc vraiment complet qu'on peut faire tout doucement finalement dès qu'on commence à marcher. Exactement. Et n'oubliez pas les exercices que nous avons fait la dernière fois, quand on était enceinte. L'idée c'est de coupler les deux, toujours ce travail hypopressif, c'est-à-dire sans pression vers le bas, gardez cela. On a éduqué le périnée, on a appris à notre respiration à tenir. En fait c'est la respiration. Oui, parfait. Et ça, ça va vous aider tout pour le reste de votre vie, en fait. D'accord. Parce qu'une fois que vous avez accouché, le périnat a beaucoup souffert. Vous allez apprendre à le tenir. Tous ces exercices font remonter l'utérus. Et il n'est jamais trop tard pour le rééduquer, le périnée. Ça, c'est Afida qui me l'a dit. Merci, Aude. Merci, petite Nelly, d'avoir été aussi sage. Trop mignonne. On va vous laisser. Hein, voilà. Et puis, on va rejoindre le reste de la bande. Ça marche. Bah oui, il y a plein de questions pour vous, Karim. Merci, Aude. Merci. Le reste de la bande. Oui, j'aime bien. Ça fait très années 90. C'est la bande à Agathe. Voilà. On se retrouve à la cafette. Oui, bon, ça va, ça fait très années 90. C'est pas la peine de souligner que j'ai 82 ans. Hein. Oui. C'est lui Fonzi, alors. Et odieux. Oui, c'est vrai. 82, alors. Oui, bah oui, Afida, je suis désolée, vous avez 91. Allez, on y va pour des questions. Marie Perrarnaud est avec nous, je pense. Marie? Oui. Je me tournais. Are you okay? Marie, yes. As I'm a modern here. Lady, yes. You know, you're working at home. Yes. Ah, c'est très bien japonais. C'est vrai. Marie, on y va pour des questions pour Afida et Karim. Oui, je voulais juste transmettre une petite astuce concernant les doudous parce qu'on a eu pas mal de réactions. Une maman qui s'appelle Pauline vous suggère d'écrire votre numéro de téléphone ou avec ces petits feutres qui marquent le tissu sur le doudou. Ça, voilà, c'est pas mal, ouais. Hein, pas mal. Mais encore faut-il que l'enfant ne râle pas parce qu'on a un peu abîmé son doudou avec le numéro de téléphone. Vous savez, c'est compliqué. Certes. Allez, on y va, Marie. Oui, Afida et Lee, pour la chambre de bébé, on parle souvent des lits à barreaux, des couffins, des berceaux. Que pensez-vous des futons? Alors les futons, bah, ça peut être bien, mais un bébé, on va pas le mettre sur un futon. Certes, pour la sécurité, c'est bien parce que c'est bas, mais autant qu'il soit dans un lit. La méthode Montessori dit qu'il faut justement pas les mettre dans des lits à barreaux, etc. Donc oui, voilà. Alors après ça, c'est... C'est un choix, je crois, des parents. Voilà. Et puis on rentre dans des polémiques qui sont personnelles, je pense. Oui. Hein. Donc... Enfin, vous préconisez le lit à barreaux, le lit à barreaux. Voilà, ou alors le berceau là, qu'on décore, qu'on... Après, si vous vous sentez bien, il y a dans des pays, certains pays où on est à même le sol sur un petit matelas, ça ressemble à un futon. Donc, voilà, bah, les fakirs surtout font ça, hein, je crois. Non, mais c'est aidé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que j'ai encore m'en prendre plein la tête. Hein, pourquoi? L'association en fait, des c'est fakirs. Choix là, personnel. Là. Marie, on y va. Oui, Anne-Claire vous demande, Karim, à quelle fréquence faire ses abdos pour avoir un résultat optimal? Dites-nous 3 minutes par jour. Bonjour Anne-Claire. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la régularité. Ces exercices servent
à éduquer en fait le corps. Vous allez éduquer votre posture, vous allez éduquer en essayant d'apprendre à votre corps à tenir ce fameux périnée. Cette idée d'avoir ce réflexe de le bloquer pour pouvoir faire un effort et pour pouvoir vous tenir. Ça va vous suivre tout le reste de votre vie. Ça, si vous faites ces exercices régulièrement, en 2 semaines, vous sentirez la différence. En deux semaines, vous sentirez la différence. La respiration sera plus ample. Vous sentirez que vous êtes tenu. Oui, mais pas là. Et elle mourut devant vos yeux en direct. Marie, une autre question. Oui, Cyrielle sur Facebook demande à Afida, il fait très sec chez nous et nous avons investi dans un humidificateur grâce auquel nous atteignons péniblement 36 degrés d'humidité. Est-ce que cela suffit ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Non, c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que le taux d'humidité c'est 40 à 60% avec les humidificateurs, donc il n'y a pas de souci. C'est des pourcents, pas des degrés, non? 36 degrés, Marie, elle dit non. Ouais. Quoi elle dit non. C'est ça, degrés on a eu pardon. Avec Benjamin, on s'est regardé. Ah pardon Marie, je n'ai pas relevé, mais non, c'est moi. Fais confiance. Donc c'est des pourcentages. 36%. Oui, d'humidité. Ouais. Donc 36%, si elle n'arrive pas à atteindre plus, c'est pas dramatique en soi. Donc elle surveille l'enfant et puis s'il se réveille trop la nuit, ben, essayez de trouver une autre solution. Mais 36, c'est parfait. Ça va, ok, super. Marie. Oui, qui se reprend un peu. Karim a pas ses abdos, est-ce qu'on peut les faire après une césarienne, nous demande Aline. Elle a accouché de son deuxième garçon il y a tout juste un mois. Ah. Par césarienne, donc. Bonjour Aline. On va déjà demander à Afida combien de temps il faut pour Interne, ben ça dépend de la cicatrisation de la femme, une semaine à voire un mois, mais à l'intérieur, il y a toujours, penser à ces fameuses cicatrices de l'utérus, même s'ils se rétractent, attendez 2 bons mois avant de commencer à 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Voilà, allez. En fait, interne. Ce que je disais, ce qu'on en parlait tout à l'heure, la cicatrisation d'une césarienne se fait. Et comment est-ce qu'elle s'en rend compte? Elle a mal ou pas? Alors on a pas mal justement, c'est ça qui est. C'est ça qui est dangereux en fait. Parce qu'au début on a mal, mais c'est parce que quand on fait la césarienne, on étire les parois donc pour mettre les champs, donc on reste avec cette petite douleur latéralisée. Mais la cicatrice fait pas mal. La cicatrice ne fait pas mal. Est-ce que vous pensez que la respiration, le mouvement de respiration peut gêner la cicatrisation? Alors là, pour le mouvement de respiration et travailler un petit peu son périnée, une quinzaine de jours, 3 semaines après, il n'y a pas de souci. Par contre, si on fait des mouvements, s'ils sont légers... C'est parfait. J'ai ma réponse. Ça veut dire que là, vous êtes à 1 mois. Ces exercices qui sollicitent juste la respiration, vous pouvez les faire. Vous ne ferez pas d'exercices beaucoup plus compliqués. Ouais. Vous voulez faire du stepper et tout, c'est debout. Il faut être sûr que votre périnée, vous avez fait votre éducation du périnée et que tout aille bien de ce côté-là. Tout soit cicatrisé. Donc, vous êtes prête, vous êtes dans la bonne fourchette pour faire les exercices de respiration. Ça va vous muscler, ne vous inquiétez pas. La respiration, oui, au contraire. C'est bon. Benjamin, alors des appels à témoins peut-être. Écoutez, Montessori, Steiner, Freinet, vous avez souhaité que votre enfant profite à l'école des apports d'une pédagogie différente. Pourquoi, en quoi ces méthodes influencent-elles votre façon d'éduquer votre enfant? Vous pourrez venir notamment nous dire si le futon est une bonne idée, l'idée Montessori. Oui, vous débattrez avec Afida, ça va être bien. Et puis, à la crèche ou à l'école, votre enfant se montre souvent agressif avec les autres. Il mord, tape, griffe et cherche la bagarre. Comment expliquez-vous ce comportement et surtout qu'avez-vous mis en place avec lui pour tenter de lui expliquer qu'on ne tape pas les petits copains? Là aussi, venez nous en parler, ça nous intéresse. Vous nous emmenez au musée avec votre agenda aujourd'hui. Tout à fait, on commence par ce très beau livre aux éditions Hazan. Tout à fait, Agathe. Tout à fait, absolument, ça s'appelle « Mais où est donc Pompon ?» de Nicolas Pirou. Pompon, c'est l'ours blanc du sculpteur du même nom, François Pompon. Et dans cet ouvrage, cet ours se cache dans 44 des grands chefs-d'œuvre actuellement au musée d'Orsay, une sorte de « Où est Charlie ?» mais donc plus culturel, si je puis dire, où Pompon est caché dans quelques-uns des plus grands tableaux de l'histoire de la peinture. Et c'est même assez compliqué de trouver Pompon. Donc vous en avez pour un petit moment. Tableau de Claude Monet, de Van Gogh, de Picasso et compagnie. Mais où est donc Pompon? C'est aux éditions. Je vous dirai c'est ça. C'est aux éditions. Les éditions. Si je peux me permettre, dans la maison des maternelles, nous c'est mais où est donc Jean-Pierre? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, Jean-Pierre, d'ailleurs. Je vais le trouver. Allez, là-bas. Jean-Pierre, alors, puis il y a de nombreux musées aussi qui s'adaptent aux enfants et organisent des ateliers pour les tout-petits. Si vous habitez du côté de Toulouse, on vous conseille le musée Saint-Raymond qui présente une grande collection archéologique. C'est une belle sortie en famille, évidemment, pour comprendre comment vivaient les Romains et les Celtes dans la région toulousaine. Voilà, pendant les vacances de Noël, il y aura par exemple une session de contes sur les aventures de la déesse Aphrodite. On va se quitter doucement. Merci à tous les quatre, même si Marie n'était pas avec nous
physiquement, elle le sera demain. On va se retrouver demain, donc à 9h sur France 5. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a La Quotidienne dans 1h30 sur la même chaîne, d'ailleurs, avec des animateurs très sympas. Tiens, c'est Sid. Presque aussi sympas que nous. N'oubliez pas de vous reproduire. Bien sûr, on va se quitter avec les bébés du jour. Et demain, je vous donnerai une recette pour les fêtes, si vous êtes enceinte, avec du foie gras. Oui, vous pouvez. Bah, soyez avec nous demain, vous verrez. Au revoir. Bonne journée.